Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 6 avril dans ce nouveau live. C'est Jérémy Delsol pour votre émission Bonjour CAC 40 et DAX 40 avec Admirals. Il est 8h30, j'espère que tout le monde va bien. Un grand plaisir de vous retrouver comme chaque matin. Alors on va du coup bien sûr se pencher dans un premier temps comme d'habitude sur le site admiralsmarket.com/fr. Vous avez les journées trading d'Admirals qui sont de retour jusqu'à 3000 euros de cashback en tradant bien sûr avec Admirals. Vous pouvez vous inscrire, regarder les conditions qui s'appliquent sur la première page du site directement en cliquant sur les liens que je vous ai montrés. On va partir sur le calendrier brièvement aussi pour voir ce qui nous attend en termes de publication économique aujourd'hui. On va avoir donc hop ici juste les commandes industrielles hein, qui ont été publiées pour l'instant à 8h côté allemand. On aura un discours hein, de la BCE avec Guindos attendu dans 28 minutes environ. On aura ici également les chiffres PMI au niveau des constructions du côté allemand. On va retrouver la même chose du côté européen un petit peu plus tard. Également côté britannique attendu pardon, à 10h30 et la confiance notamment également des consommateurs 12h30 côté espagnol. Cet après-midi, ce sera déjà l'indice PMI IV. Du coup du côté du dollar canadien attendu à 16h, puis à 16h30 les ici variations et stocks surtout de pétrole attendu du coup aux US. Ce soir, les minutes du FOMC. Alors, c'est des minutes du FOMC où vous le voyez, il n'y aura pas un discours de Jérôme Powell. Ça va juste être, bien sûr, la lecture des rapports des réunions précédentes. Donc, on ne va pas faire un live spécial FOMC ce soir à propos de cela, tout simplement. Donc, voilà pour votre journée hein, sur le calendrier économique avec ici Admirals. Je vais venir sur le chat vous saluer. Philippe qui nous disait bonjour Jérémy, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à toi Philippe, j'espère que tu vas bien. Christina qui nous dit hello everybody, hi Jérémy, don't forget with discipline and consistency everything is possible. Benjamin Delsol, oui en effet mon frère qui a l'habitude de dire ça, donc avec discipline et du coup cohérence. Tout est possible et bien sûr avec le sourire. Merci beaucoup Christina, ça fait très plaisir ton message. Du coup Christina qui faisait du coup pouce pour le soutien et donner de la force pour le travail. Merci à vous, merci Jérémy. Grand, grand merci à toi Christina. J'espère que tu vas bien et qu'on va avoir bien sûr une très belle séance ensemble. Paul qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Paul. Zaraki également qui nous dit bonjour à tous, bonjour Jérémy, bienvenue à toi aussi Zaraki. Arona également qui est avec nous, ça fait plaisir, bienvenue à toi Arona. Bonne séance également bien sûr. Fred aussi qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Fred. Macozy également, Bruno Fontanelle aussi avec des pouces bleus, merci beaucoup, bienvenue à toi aussi Bruno, ça fait plaisir que tu sois là. Et Guy qui nous disait aussi pardon, bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Guy. Allez on va se pencher sur les graphiques, ici on va démarrer plutôt directement avec le JP225 dans un premier temps. Un JP225 qui commence à respirer encore un peu plus ici, tester son creux précédent, comme vous le retrouvez à l'heure actuelle. Pour moi, c'est un creux donc journalier important. Ce test ici va déterminer beaucoup de choses, si on peut maintenir la tendance ou si on peut tenter de la renverser pour revenir tester un point pivot, pour revenir, pourquoi pas, sur un niveau clé 26 250. Donc ce sera à suivre avec attention, bien évidemment, au côté asiatique. Donc, au regard de ce qui s'est passé cette nuit côté asiatique, on en est où? On va avoir en fait une séance clairement baissière hein, qui débute à la baisse et qui finit sur une respiration, en fait un retracement. Vous pouvez l'appeler retracement, ça fait penser bien sûr au retracement de Fibonacci. Vous pouvez l'appeler respiration parce que le marché du coup donne des impulsions, respire, etc. Et évolue ici dans une tendance pour l'instant baissière. Vous voyez bien la zone de consolidation qu'on avait alors qui tournait à ce moment-là bien sûr autour des 27 700. Elle a été cassée. Elle a été cassée, retestée côté extérieur. Ça nous a entraîné sur un test des 27 400 qui sur le coup hein, n'a pas vraiment été très longtemps testé, on a su le casser, par contre on revient travailler la zone à l'heure actuelle. Donc pression vendeuse dominante, tendance baissière au cours de la séance asiatique, on va voir ce qui du coup nous attend sur cette séance européenne. Vous voyez qu'on est du coup sous le point pivot pour déjà avoir été autour de la zone support S1 journalière sur le JP225. Alors on va partir sur le DAX ici. Et sur le DAX, on voit bien que pour l'instant, on a été incapable de réintégrer le range hebdomadaire très très important, du coup, dont on avait énormément parlé dans les séances avant cette cassure juste là. Ça se trouve être avec une borne basse hein, des 14 900 points. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a su faire un sommet ici plus haut que le sommet précédent. On a des creux qui sont aussi plus hauts, mais pour le moment, vous voyez qu'on peine véritablement à continuer. Donc le marché va se poser d'autant plus de questions. On est en train de tester le creux le plus récent. Juste en dessous, on a d'autres creux également. On a quand même des zones de soutien, des zones de support. Pardon. Mais un marché qui va quand même hésiter beaucoup, comme vous le voyez ici. Donc vigilance aussi. On va avoir par rapport à ce qu'on a vu hier, une cassure de la zone des 14 400. Donc ici, on est en train de revenir tester la zone, non plus en support comme c'était le cas précédemment, parce que je vous rappelle qu'on avait rangé dans cette zone ici. On teste cette zone-là à titre désormais de résistance. Une résistance qui peut marquer du coup son effet sur les 4
14 400, bien sûr, pour un rebond, test ici d'un prix médian, et ensuite le creux précédent en concordance avec la zone support 14 300. Voilà pour un scénario baissier ce matin. En termes de scénario aussi, qu'est-ce qu'on a? Il faudrait changer cette résistance pour la transformer en fait en support, direction à ce moment-là le point pivot du jour possible, et la prochaine résistance des 14 500 pour ma part. Donc ça, c'est un scénario baissier, c'est un scénario haussier possible. Qu'en est-il du scénario de range? Bien, le range pourra intervenir dans une seconde phase en fait. Si on maintient ici, on peut continuer, et si on n'arrive pas à casser, on pourrait ranger. Si ici on réintègre cette zone-là, on réintègre quelque part aussi justement une zone de range, mais on a potentiellement dans un premier temps en tout cas plutôt une hausse possible si bien sûr on réintègre. Le tout, on le verra sur l'open, ça sera très intéressant de voir ce qui se passe justement ici. On gardera bien sûr à l'œil ici cette belle zone résistance, un niveau clé pour ce matin je pense, les 14 400. On part sur le CAC 40, je vous montrerai le système LTR par la suite, il lui faut un peu de temps pour bien sûr y voir aussi la tendance, puisque je démarre mes graphiques Renko Session à partir de 8h, donc pour avoir une heure de données du coup de très bonne qualité. On va avoir ici du CAC 40 journalier, il avait déjà, vous rappelez, retourné sa tendance le CAC 40, il était déjà beaucoup plus impliqué sur un test de réintégration d'une zone de range journalière à l'heure actuelle. Pour autant, la séance d'hier nous a prouvé qu'on ne ressortait, qu'on rejetait, qu'on repartait en dessous, en tout ce que vous voulez, des 6700 points. Donc les 6700 points ici ont été du coup cassés pour aller chercher déjà le test un petit peu de ce creux journalier précédent qu'on identifie simplement avec la touche HS du mini terminal. Donc d'un point de vue horaire, on va prendre un petit peu de recul. Ce qui s'est passé récemment, vous vous rappelez, c'était la zone de range ici. On a eu un break, on a rangé un petit peu par là, cassure, on a hésité, on a réintégré, et boum, on est reparti ici sur de la baisse. Donc, ce que j'ai marqué à l'heure actuelle ici, c'est déjà une belle zone résistance, un petit peu comme sur le DAX, on parle des 6650 points, non loin du point pivot journalier. Donc, toute cette zone-là va faire office pour ma part dans un premier temps de résistance. Si la résistance est cassée, on aura du coup une zone support qui pourra du coup prendre place autour des 6650, autour du point pivot. En revanche, du coup, alors bien sûr, donc ça c'est réaction résistance dans un premier temps, sinon support hein, bien évidemment. Et du coup, si on réagit encore en support, enfin en résistance, pardon, on sera encore dans la consolidation. Et on a de l'autre côté, à niveau intermédiaire, je vous ai placé sur un niveau psychologique quand même, les 6600. Mais j'ai mis un niveau plus bas aussi en support, 6550. Pourquoi? Parce que quand on regarde et qu'on prend un peu de recul sur ce marché-là, on s'aperçoit bien que le niveau du coup plus important, je trouve même à l'heure actuelle, que les 6600, quand on a vraiment des perspectives plus grandes, c'est les 6550. Regardez tous les tests de zone support qu'on a sur la partie gauche de ce graphique, assez impressionnant pour maintenir en consolidation le marché pendant un certain temps. Donc, pour ça, j'ai tenu à vous mettre les 6650 en zone support, un petit peu après la zone support S1 du jour, justement. Mais pour l'instant, les deux niveaux les plus proches, c'est résistance 6650, support 6600, juste ici, du trading en range à l'intérieur de la zone jusqu'à preuve du contraire, du rejet possible depuis la résistance, du rebond possible depuis le support, et en cas de cassure de la résistance, ça se transforme également en support. C'est ce qu'on va étudier, en tout cas pour ma part, ce que je vais regarder ce matin avec vous, du coup, dans cette séance. On passe au marché britannique pour aller voir tout ça. Et le marché britannique ici, qui quant à lui, en fait, a su bien plus tôt que le DAX, que le CAC 40, réintégrer sa zone de range journalière précédente et même venir là tout de suite maintenant tester déjà la borne haute. Donc on a eu une très belle récupération déjà sur le FTSE 100, du coup, en ligne droite, et on est sur le test d'une résistance majeure importante étant à borne haute, donc de cette zone de range clé, les 7600 points pour le moment. Le graphique horaire, lui, va nous montrer justement que ces 7600 points sont juste ici, toujours respectés ici, même sur les petites unités de temps, enfin plus petites en tout cas, le graphique horaire. On rappelle qu'on avait une zone de range ici dans laquelle on a travaillé, on a cassé, on a testé côté externe une fois avec cette mèche, deux fois ici, et pour l'instant on souhaite refaire le test de la résistance. Alors on va rajouter un petit peu tout ça, on est au-dessus du point pivot, les derniers sommets feront office aussi de sécurité. Attention, hein, c'est pas parce qu'on casse un petit peu les 7600 qu'on n'a pas un petit peu cet effet la réaction aussi avec la zone résistance des sommets précédents. En cas de cassure néanmoins de cette zone résistance, on pourrait transformer donc la zone en support et se diriger à ce moment-là sur la R1 du jour. Après, si on est encore bloqué dans la zone là, on va continuer le trading en range direction le point pivot, à ce moment-là la zone support des 7575 qui cumule dans un premier temps un petit scénario du coup baissier. Voilà ce que je vois également sur le FTSE 100 pour l'instant.
Et du coup, à l'heure actuelle, c'est plutôt le test déjà des derniers sommets M5, non loin notamment des 7600 points qui sont à l'étude. Alors, on va partir sur le marché américain. Avant ça, je reviens rapidement sur le chat. On avait Didier qui nous dit bonjour, Jamy, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à toi, Didier, ça fait plaisir. Michel également qui est avec nous, bienvenue à toi, Michel. Florian aussi qui nous dit bonjour à tous et salut, Jérémy, bienvenue à toi, Florian. Silvio qui nous dit bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à toi Sylvie aussi. Bob, tu nous dis salut à tous, je suis à l'heure, il faut que je me rattrape du coup ce mois d'avril. Du coup, m'a eu pas de soucis, bienvenue à toi Bob, en tout cas, très content que tu sois là dès le début de notre séance. Carlos qui nous dit bonjour à tous aussi, bienvenue à toi Carlos, Ousmane également, bienvenue à toi Ousmane. Florian, tu nous dis du coup, c'est quoi le truc cashback sur la volatilité, Jérémy, de Admiral? En fait, si tu veux, si tu t'inscris, du coup, c'est les journées Trading Admiral, tu seras récompensé avec du cashback en fonction des positions que tu vas prendre. Donc, tu as des conditions particulières, si tu veux, dans la séance, on ira voir ensemble. Il faut par exemple que ta position dure un certain temps minimum. Et ensuite, fonction des tailles de lots que tu utilises aussi, tu auras un cashback. En fait, c'est une promotion chez Admiral. Comme ça te permet aussi de bénéficier et de payer moins sur tes spreads, d'être un peu plus, on va dire, avec moins de charges quelque part dans cette période, si tu veux, de journée trading chez Admiral. Pardon. Toumaz qui nous dit bonjour Jamy, bonjour à tous, bienvenue à toi Toumaz. C'est une promotion qu'ils avaient faite hein, déjà en fin d'année dernière chez Admiral Zaraki qui nous dit est-ce que tu pourrais expliquer la hausse fulgurante du gold hier? Alors on va aller regarder ça. Ce qui s'est passé si tu veux, c'est qu'hier on a eu c'est pas des discussions, mais on a eu des déclarations. Voilà, je cherche mes mots. Des déclarations du côté des États-Unis avec certains responsables de la Réserve fédérale. On a eu du coup notamment Brainard hein, qui nous disait que. Eh bien, la politique de la banque centrale, donc de la Fed, du coup, allait s'orienter vers une certaine neutralité, mais c'est conjugué à des hausses de taux, par exemple, et à de la réduction de rapide des bilans. Donc, la hausse des taux, bien sûr, qui fait craindre aussi les marchés, donc des indices boursiers qui n'aiment pas hein, ces hausses des taux, bien évidemment, mais du coup, des valeurs refuges qui prennent du coup le relais derrière. Donc, ça explique une partie de cela, puisque en fin de compte, si on a un resserrement rapide sur la politique monétaire aux États-Unis, ça va peser quand même sur la croissance. C'est pour ça que les indices boursiers auront tendance à en souffrir. Par contre, les valeurs refuges de l'autre côté, eux, seront au beau fixe aussi, mais on va regarder tout ça ensemble, il n'y a pas de souci. Bruno qui nous disait comment va-t-il Didier? Et question donc pour toi Didier, Arnaud qui nous disait bonjour, Jérémy, bienvenue à toi Arnaud aussi, et du coup, pardon Fred qui nous disait bonjour, bienvenue à toi aussi Fred. Allez, on part sur le S&P 500. S&P 500, toujours en tendance haussière, cas sur breakout, vous vous rappelez, des 4400, impulsion haussière importante. On est en phase de respiration pour l'instant, donc pour moi ça ne change pas la tendance journalière, c'est juste qu'on est en train de respirer. On a justement eu de la baisse hier sur les indices et ça nous a permis de revenir. Alors, on avait cette zone hier, vous vous rappelez, entre la résistance 4590, 4555. Et du coup, je vous ai actualisé un petit peu tout ça, puisque cette zone-là aussi, même désormais, pourra passer résistance. Voilà, je vais enlever l'autre, hein, on ne va pas trop surcharger le graphique. À l'heure actuelle, on va déjà avoir un obstacle pour ma part simple, celui des 4535. Alors, les 4535 obstacles, zone support de l'autre côté rapide. 4517, et pour l'instant, c'est là où on a rebondi une fois, deux fois, trois fois. Donc, idéalement, pour venir tester la résistance dans un premier temps, c'est carrément là où on est à l'heure actuelle, j'ai envie de dire. Donc, si on réintègre cette résistance, c'est-à-dire qu'on casse cette résistance pour qu'elle se transforme support, on réintègre cette zone de range dont on avait parlé dans le passé avec un point pivot au tournant un petit peu autour du prix médian pour un test possible de borne haute avec les 4555. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est une zone résistance. Donc attention au rejet pour tester tout simplement le creux précédent aussi autour des 4517. Voilà pour le S&P 500 pour ma part ce matin. Qu'est-ce qu'on a hein, du côté tout simplement du Dow Jones 30? Alors le Dow Jones 30, il part au-dessus des 34 000 depuis plusieurs séances déjà. Hein, il est au-dessus dans une tendance haussière également avérée. En face aussi de respiration pour le moment. On n'a pas été chercher ces creux-là, on s'est arrêté sur les creux précédents pour le moment, en hésitation en fait, soit pour continuer, soit pour retracer plus profondément. Alors sur le graphique horaire, ce que ça va me donner pour scénario aujourd'hui, c'est des zones de résistance et de support, comme d'habitude bien sûr. Déjà 34 700 résistance bientôt testée ici, et support 34 550 points. La même histoire, hein, vous voyez qu'on réagit aux abords de cette zone support ici. Une première fois testée, cette résistance peut être attendue à titre donc d'obstacle bien sûr, et rebond possible à la baisse. Par contre, si on arrive à casser et changer cette zone résistance en support, on pourra se retrouver sur des niveaux comme les 34 800 avec un point pivot juste avant, un point pivot journalier, la touche PVT, je vous rappelle du mini terminal ici, du coup des niveaux juste avant.
Mais ça sera une réintégration de zone de range précédente qui peut nous donner un scénario de hausse pour démarrer. Donc vous voyez ici, cette zone de consolidation, si elle est réintégrée, eh bien c'est du trading range, mais qui nous offre dans une première partie, en fait, tout simplement des opportunités de hausse. Par contre, sinon, bien sûr, si la résistance se tient ce matin à l'open, pourquoi pas, eh bien on aura plutôt de la baisse dans ce genre de scénario. Mais toujours penser, enfin si limite on pourrait dire en trois dimensions, hein, c'est-à-dire de la hausse, de la baisse, du range possible ici pour ne pas être surpris par le marché. Côté Nasdaq 100, qu'est-ce qu'on va avoir? Le Nasdaq 100, pareil, il est en tendance haussière. Il a été pardon, récemment faire le test de son sommet précédent sans pour autant le casser, sans pour autant vraiment le tester hein, sur son point le plus haut. On s'est arrêté un petit peu avant et on teste pour l'instant le creux journalier déjà précédent. Alors d'un point de vue horaire, ça va être un petit peu la même histoire. On est posé et on a déjà commencé à rebondir même sur le support 14 775 points. Je vous ai mis un niveau un peu intermédiaire avec les 14 825 pour une résistance au-dessus des 14 875. On est bien sous le point pivot du jour. Donc ici, rebond pour l'instant. Si on arrive à franchir déjà les 825, attention au test de la résistance des 875 pour un rejet dans un premier temps. Et à ce moment-là, on pourrait ranger dans la zone délimitée, zone support et résistance. Hier, on était là, hein, dans ces zones-là. D'ailleurs, je vais pouvoir hop, nettoyer un petit peu tout ça. Ça, je vais enlever rapidement. Donc on a eu un très 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 belle séance US à la baisse l'après-midi et le soir. Le soir qui était un petit peu plus taquin, mais l'après-midi qui était vraiment très sympathique aussi sur la baisse. Et du coup, là, voilà, c'est vraiment le niveau déjà intermédiaire 825 en test pour une résistance 875. Si on réagit sur la résistance, on va du coup ranger dans la zone. Si on peut casser, c'est toujours le principe aussi des scénarios de breakout dont je vous parle le reste du temps également. On part sur les matières premières. Je reviens rapidement sur le chat. Du coup, pardon. Je remonte, on en était où? Voilà, Arnaud qui nous dit bonjour, je crois que je t'avais dit bonjour Arnaud, hein. Fred qui nous dit voilà bonjour aussi, il y a une autre Fred Didier qui nous disait, qui répondait pardon à Bruno, mieux et toi, et Ahmed qui nous dit bonjour, salut à toi aussi Ahmed. Didier qui nous dit du coup, faut qu'on se rencontre du coup au Gros du Roi, avec un clin d'œil, je pense que tu parlais du coup à Bruno. Zaraki qui nous disait merci Jérémy, donc une hausse de cause fondamentale, j'étais pas au courant. Si tu veux, bah, voilà, ces hausses, ces gros mouvements en fait sont souvent suscités par des événements en fait, des faits, des événements, des rumeurs, des discours, des déclarations, ce genre de choses. Après, ce que je t'invite à enfin, je souligne un point, pas spécialement pour toi, mais je veux dire, attention avec ce genre de mouvement-là qui arrive d'un coup. Soit ça rentre dans votre stratégie, soit vous pouvez être tenté d'essayer d'attraper ce genre de mouvement-là. Tous les gros mouvements, pour moi, ne sont pas bons à trader, ne sont pas bons à tenter du coup d'attraper en fait. Donc faut faire attention à ça. Ça joue aussi avec le phénomène du FOMO, c'est-à-dire la fear pardon of missing out, c'est-à-dire la peur quelque part de rater un mouvement important, de se dire tiens il y a tellement d'argent à faire sur la hausse que je vais essayer de la prendre. Et pour prendre ce genre de choses, c'est un trading très agressif et du coup ça vous amène sur un territoire un petit peu plus particulier. Donc faites bien attention à ça. Ça joue beaucoup avec le FOMO en tout cas. Karl qui nous dit salut, bienvenue à toi Karl. J'espère que tu vas bien. Florian, tu nous disais du coup une hausse des taux, ça provoque du coup une baisse des indices et une montée des monnaies et du coup une hausse des matières premières. Les indices n'aiment pas, pourquoi? Parce qu'en fait ça va signifier que les emprunts qu'ils vont faire, ça va leur coûter plus cher, donc ça va pas être bon pour leur business, tu vois ce que je veux dire? Et du coup de l'autre côté, tu as le phénomène qui joue en conséquence sur les autres produits comme les devises, les matières premières. Ahmed qui nous dit Admiral, du coup je veux trader mais je ne sais pas pardon, comment faire. Alors Ahmed, tu peux déjà ouvrir un compte de démonstration chez Admiral, télécharger la plateforme. Tu as des vidéos sur la chaîne YouTube. Rappelle-le-moi si tu veux, dans le live, j'irai te chercher des vidéos qui te montrent du coup comment démarrer. Fabien qui nous disait bonjour, Jérémy, bonjour à tous. Un micro qui envoie ce matin. Tu m'entends bien, du coup, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, Fabien. Merci pour le like. On est déjà à 37 likes avant même l'open. Merci à vous tous. Bruno qui nous dit du coup, Didier, ravi que tu ailles mieux. Oui, quand j'y serai, reviens nous voir au LTR. Le système a beaucoup changé, ça s'améliore tout le temps. Merci beaucoup Bruno pour ton retour d'expérience, ça fait plaisir. Vivi qui nous disait aussi salut Jérémy, bienvenue à toi Vivi. Franklin qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Franklin. Didier qui nous disait oui Bruno, je vais voir ça, merci. T'es bienvenu Didier, hein, bien sûr, tu le sais. Zaraki qui nous disait d'accord, c'est noté avec un sourire. Ça marche. Allez, on continue sur le gold. Le gold ici, du coup, qui est toujours en attente, hein, puisque je vous le disais, la tendance haussière est en stand-by. On est plutôt dans la consolidation.
pour l'instant, cette consolidation qui nous emmène pas vraiment nulle part. On a en fait continué de ranger hier. Donc même si on a eu cette hausse au courant de l'après-midi, on a eu ensuite de la baisse pour revenir toujours travailler un niveau, celui de la bonne, j'ai envie de dire la bonne vieille zone de range dont on avait parlé. Une borne basse présente sur les 1920 dollars l'once d'or, une borne haute présente en résistance aussi sur les 1935 dollars l'once d'or. Donc ça range du coup dans cette zone de consolidation. Ici, oui, on a des petites cassures par le bas, oui, on a des cassures aussi par le haut, mais à chaque fois, le prix revient et oscille à l'intérieur. C'est des caractéristiques aussi, bien sûr, d'un trading quand même en range. Donc attention ici, borne basse, zone support 1920 dollars l'once d'or, soit pour du rebond test. Un pivot avec un petit peu le prix médian et la borne haute résistance 1935 ou sinon poursuite par le bas PPS1 intermédiaire mensuel et zone support S1 du jour également. Donc ce sera à l'étude. On fait attention, on a eu des fausses cassures dans le passé sur ces zones-là aussi. Donc vigilance bien sûr qui est de mise, hein, j'ai envie de dire à l'heure actuelle sur le gold. On passe au pétrole, un marché également du coup en absence de tendance, c'est-à-dire qu'on est dans la consolidation. Vous allez voir rapidement, hein, sur le H1, je vous avais mis un gros triangle du coup voilà, qui resserre en fait, hein, où on a des cotations qui vont se resserrer de plus en plus dans le triangle pour breaker par le haut, pour breaker par le bas. Attention bien sûr aux fausses cassures qui sont l'ennemi juré des traders de breakout. Là, ce qu'on a aussi récemment eu, c'est une borne basse de zone de range qui a été testée quasiment en accord avec, hein, cette borne basse aussi du triangle symétrique. Ça a suscité un rebond, la cassure par le haut. Là, on n'a pas su tenir, vous le voyez, en support les 111,15. Au contraire, on a cassé, donc ça repasse résistance. On a même du coup une réintégration juste pour faire un toucher des 107 et on ressort un petit peu de la zone de range. Donc un marché un peu piégeur aussi qui se cherche. Pourquoi? Parce qu'on est dans des consolidations qui travaillent dans des consolidations. C'est un peu comme le gold. À l'heure actuelle, je trouve que le gold et le Brent sont des actifs qui consolident beaucoup. Donc soyez bien prudent par rapport à ces choses-là. En termes de scénario, à quoi peut-on s'attendre pour aujourd'hui? Si on a la zone support ici qui se maintient, un rebond, test du sommet précédent, test de la résistance ici, pourquoi pas même de la R1 avec les 111,15 ici, ou réintégration de la zone de range sous le point pivot pour retester du coup un peu le prix médian, voire les 107, pourquoi pas même la borne basse avec la zone support S1 quelque part. On a du coup Thomas qui nous disait aussi. J'ai enchaîné 6 pertes hier et avant-hier. Des fois, j'ai des doutes sur ma stratégie. Combien de pertes t'as enchaîné dans ta vie de trader, Jérémy? Bon, si on part du début, tu sais, quand j'étais débutant, que je tradais que des indicateurs techniques, sans prendre de recul, sans faire de backtest, j'ai enchaîné plein de trades perdants. J'ai cramé plusieurs comptes, hein, que ce soit des comptes démo, des comptes réels. Mais après, si tu veux, avec l'évolution, avec l'apprentissage et avec les leçons qu'on tire des marchés, on apprend à structurer son trading, du coup, on backteste sa stratégie, etc., etc. Mais même une méthode gagnante, hein, où vous avez plus de 70% de trades gagnants, vous pouvez arriver à 10 trades perdants dans votre séance ou dans la semaine. Le trade perdant d'affilée, peu importe que ce soit en séance, dans la semaine, etc. Si tu veux, ce qui va faire la différence aussi, c'est bon, de 1, si tu connais les statistiques de ta stratégie, ce qui va énormément te rassurer, parce que si ta stratégie, du coup, tes statistiques t'indiquent que tu n'as jamais vu un drawdown aussi important, deux solutions. Soit du coup, ton échantillon backtest n'a pas été assez important, t'as pas backtesté sur assez de trades, soit tu as commis peut-être aussi des erreurs, soit ta stratégie n'est plus d'actualité. Donc trois solutions même. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour ça, il faut bien connaître sa stratégie, il faut bien la backtester. Donc question pour toi, Thomas, est-ce que tu as fait du backtest sur ta méthode, sur ta stratégie de trading? Bruno qui nous dit du coup, yes Didier, quand tu veux, bien sûr. Du coup, on se fait un MP sur Telegram. Du coup, je te dirai les news. Top Bruno, merci Didier qui nous dit du coup, ok, merci, contacte-moi. On va pas polluer le chat Admiraz avec un clin d'œil. Excellent. Cyril qui nous dit bonjour, bonjour, le son est mieux aujourd'hui. Parfait. Bah écoute. Parfait, parfait. Alors Bruno qui nous dit du coup oui, Didier et Florian qui nous disait ah d'accord, mais quand les devises monétaires baissent, les matières premières montent ou descendent. Alors c'est le phénomène de corrélation. Si tu veux, on va en parler dans la séance, il n'y a pas de souci, Florian. Circo qui nous disait bonjour Jérém, bonjour à tous, bienvenue à toi Circo. Et Christina qui nous disait la gestion du fric est vraiment accolée à ta stratégie. Oui, clairement Christina. Clairement, c'est pour ça hier on a parlé aussi money management du coup dans notre webinaire d'hier soir. Pardon du coup pour les mots utilisés. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, Christina. Allez, on continue. L'euro dollar qui repart sur de la baisse. Alors
On n'est pas pour autant, je trouve, dans une belle tendance baissière. On est dans un marché un peu piégeur qui a tenté la cassure par le haut, qui a fait croire à certains investisseurs peut-être ou traders qu'il y avait un potentiel de hausse. Et en fin de compte, boum, on repart plus sur de la baisse. Donc marché piégeur de la consolidation particulière, je trouve, en journalier sur l'euro-USD. On avait parlé de cette petite zone de range hier. Elle n'a pas duré longtemps. On a cassé, franchement, et ça nous a permis d'aller chercher le PPS1 intermédiaire mensuel très rapidement, de même continuer la baisse. Alors à l'heure actuelle, ce que j'ai mis en place ici, hop, sur ces graphiques, ça va être ça. Ça va être une zone résistance des 1,0935, un niveau intermédiaire, pardon, sur les 1,0905 et une zone support déjà testée sur le bout de cette mèche ici pour l'instant avec les 1,0875. Donc là, on est clairement sur de la baisse d'un point de vue horaire, contexte journalier plus particulier, mais vous voyez qu'on vient de taper la zone support. Donc déjà, pour le moment, on a un petit peu de rebond. Un petit peu de rebond qui peut nous entraîner jusqu'à un test du prix médian, soit pour relancer la baisse, soit pour tenter de respirer plus profondément et encore possiblement de relancer la baisse. Là, ensuite, bien sûr, hein, si on casse, à ce moment-là, cette zone de résistance passe aussi, bien sûr, support, un petit peu comme le même principe de ce niveau-là. Chaque zone, bien sûr, comme ça, a un potentiel de support ou résistance selon où le marché en est et selon notamment le comportement qu'il a eu fonction de ce marché-là. Si on rajoute les points pivots, on a le point pivot qui corrobore le PPS1 intermédiaire mensuel et notamment ma résistance des 1,0935. Donc là, on a pas mal de concordance sur cette zone-là. Pour autant, on est un petit peu plus loin hein, puisqu'on est déjà sur, en plus, j'avais pas vu, mais la zone support S1 du jour qui concorde mon niveau zone support des 1,0875. Donc c'est très bien parce qu'ici, je place mes niveaux. Hein. Sans regarder ces points pivots, je les rajoute avec vous en fait live. Donc voir des concordances, par exemple point pivot autour de ma zone structure résistance, autour de ma zone structure support, c'est un bon élément. Si vous amusez à mettre les niveaux en fonction des points pivots, vous ne tiendrez compte en fait que des points pivots. Moi ce que je fais, c'est que je tiens compte de la structure de marché, je mets mes zones et ensuite on voit si on a des concordances ou pas. Vous l'avez vu dans les lives précédents, des fois je vous dis, bon il n'y a pas de concordance sur ces niveaux-là, mais je préfère tenir compte de mon niveau. Et des fois il y a des concordances et c'est d'autant mieux. Donc voilà pour du coup l'euro-dollar. En 5 minutes, on ira voir aussi bien sûr ce qui se passe en détail autour de cette zone support des 1,0875. J'arrive tout de suite. Allez, on continue ici du coup sur le GBP/USD. Un GBP/USD du coup qui retente le test des creux précédents. Je vous disais que c'était un petit peu en attente. Hein. On avait un petit peu un format de triangle qui se présentait. On est sur le test du creux précédent pour un breakout au regard hein, peut-être d'un test du creux précédent. Mais déjà une tentative de casser une belle zone support aussi journalière qui s'est définie ici. Donc là, dans le détail, on a même regardé bah, la sortie pour l'instant de ce fameux triangle justement dont on parlait. On est en train de sortir par le bas, en train de tester le creux précédent. Donc ce matin, on va surveiller, voir si on a du coup des choses sur l'open orientées vers de la baisse. Les niveaux que j'ai actualisés en fait et que j'ai mis aussi désormais sont ceux des résistances 1,3075, un niveau intermédiaire d'un 1,3050 pour une zone support des 1,3025. Donc on va voir comment ça s'oriente ce matin. Je vous avoue que sur le système LTR, on est déjà largement baissier, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, du coup, avant l'open, on va voir quand même ce que l'open du coup nous offre, si ça nous offre un meilleur prix pour tenter de la vente ou si ça nous entraîne directement vers le bas. Et oui, c'est possible aussi, on ne peut pas toujours être impliqué dans tous les mouvements du marché. Il faut faire attention à ça, éviter le FOMO et éviter de se faire avoir par ce genre de piège de marché, parce que pour moi, c'est vraiment un marché qui nous tente et ce n'est pas pour autant qu'il est intéressant. Zaraki qui disait du coup à Toumas, peut-être que je me trompe, mais je pense que tu as du coup overtradé ou revenge trading. C'est une possibilité aussi. On va voir ce que Toumas nous dit. Hein. Florian qui nous dit, est-ce que je pourrais avoir l'article sur le backtest? Yes, il n'y a pas de souci. Attends, je regarde juste la montre, il est 59, on va se dépêcher. On finira les autres actifs après. C'est passé vite cette première demi-heure. Du coup, hop, on va faire l'open et j'irai chercher l'article en question. Hop, le FTSE, je l'ai passé, il était là. Voilà, hop, le dos, on va le minimiser, le Nasdaq aussi. Donc je vous rappelle, on est face à l'obstacle 14 400 pour l'instant, résistance burn-out possible sur le DAX. On n'a pas encore été chercher les 6 650, mais on a aussi les 6 600 de l'autre côté sur le CAC 40. On est face à l'obstacle 7 600 et c'est pas n'importe quel obstacle sur le FTSE 100. Et on est plutôt orienté sur de la baisse pour l'instant sur le GBP/USD. Donc des débuts de tendance haussière pour moi sur le DAX à l'heure actuelle. On va voir si ça se confirme avec, bien sûr, l'Open. Ça y est, l'open qui arrive, on le voit hein, sur les bougies, ça commence à s'exciter, il est 9h.
Alors, ce qu'on va voir, du coup, un peu de hausse ce matin. On est face à l'obstacle des 14 000 ici. 400 points. Ça hésite un petit peu pour l'instant sur le test de la résistance. On a un CAC qui n'est pas sur un obstacle. On a un FTSE 100 qui est face à un obstacle aussi. FTSE 100 qui réagit, hein, de toute façon, pour moi, pour l'instant. Allez, ça veut monter pour l'instant. Tentative de cassure des 14 400. Je suis en tendance haussière sur le DAX pour le moment. On va voir si le GBP USD souhaite. Du coup, continuer la descente. On a un nouveau test possible de la résistance. Voilà pour le FTSE 100 pour l'instant. Ça hésite, hein. Soyez quand même vigilant sur le DAX. Ça hésite avec cette mèche pour l'instant sur les 14 400. Bruno qui nous dit, allez, je vous laisse trader mes petits points sur le dos. Ça marche, Bruno. J'espère que ça va bien se passer aussi pour toi ce matin. Très bonne séance. Et Franklin qui nous dit, du coup, ça passe vite tous les jours. c'est clair, Franklin. Karl qui nous dit, le DAX, quel est l'objectif visé ce matin? Tout dépend des scénarios qu'on déclenche. Si on résiste, enfin, si on est face à la résistance et que ça se maintient, du coup, c'est du trading qui nous permet de revenir autour des 350 pour revenir sur les 300. Si on casse, on peut chercher du coup les 450 à tester dans un premier temps avant la poursuite aussi. C'est de zone en zone ensuite qu'on peut réfléchir, bien sûr. Après, le tout, bien sûr, c'est de trouver son point d'entrée qui va permettre d'exploiter ce qu'il faut en fait. Je vais vous montrer ça pour l'instant. Ça range un petit peu sur mon équivalent CMA. Tendance haussière sur le M5, oui. Mais on fait attention à l'obstacle des 14 400. On a un gold qui tente de sortir par le bas. Ici. On peut continuer. Pour moi, le gold, il est déjà baissier. C'était plus intéressant tout à l'heure déjà. Du coup, un quart d'heure à peu près avant l'open. Pas mal d'hésitations sur le DAX. Hein. On retrace plus profondément pour l'instant sur le GBP/USD. Karl, tu nous parlais des 14 500. Si on arrive à s'affranchir des 400, et puis on aura déjà les 450 en ligne de mire aussi. Allez, le FTSE, on va voir s'il arrive à breaker. Par le haut, on va voir si ça peut entraîner aussi le DAX à remonter. On trace profondément sur le GBPUSD en tout cas. Et voilà, ça descend même sur le CAC 40 pour l'instant, tandis que le FTSE 100 est en train de tester sa résistance pour un breakout possible. On voit en fait le DAX et le CAC réagir. Alors le DAX, bien sûr, il teste sa résistance, le CAC qui réagit avant même sa résistance. Mais on a le FTSE 100 qui lui tente du coup la cassure de sa zone pour l'instant. Thomas qui nous dit qu'on non, je n'ai jamais fait un backtest. Par contre, là, je trade depuis 2 ans et le taux de réussite est en moyenne de 70%. Alors, en 2 ans, tu n'as jamais eu du coup 6 trades perdants d'affilée dans ta stratégie? À ce moment-là, c'est peut-être en effet hein, ce que disait aussi du coup tout à l'heure, je crois que c'était. Pardon. Zaraki, voilà. Est-ce que tu n'as pas fait de l'overtrade ou du rivage trading?
Donc voilà, pour l'instant, la prudence qui est du coup un bon allié. Vous voyez ici, fausse cassure, une mèche rejet. Pour l'instant, j'ai un M1 qui part même en tendance baissière possible, du coup sur le DAX. Et du coup, voilà, faut faire preuve de prudence aussi, bien sûr, dans un premier temps, sur les marchés autour aussi de l'open. Je suis initié dans un scénario de vente sur du coup le GBP/USD, prix d'entrée pour ma part sur les 1,3060, TP1 en attente sur les 1,3054, TP2 sur les 1,30, du coup 47 dans un premier temps. On va voir ce que ça peut donner ici sur une baisse du coup en cours sur le GBP/USD. Le CAC qui revient prochainement déjà sur ses creux M5 aux abords des 6600. Zaraki, non, ce n'est pas un overtrading. Est-ce que c'est un revenge trading? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Ou est-ce que tu as, du coup, dis-moi si tu n'as pas eu depuis 2 ans 6 trades perdants d'affilée dans ta séance, si c'est la première fois. Florent qui nous dit, du coup, ah oui, je crois que pour les corrélations, si l'euro monte, le gold monte et le dollar baisse. On va aller voir si tu veux tout ça. Tu m'avais demandé aussi l'article backtest. Alors déjà, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés par ça. Il y a de quoi, hein. Pour moi, c'est vraiment un topic très important et quelque chose de très, très... important hein, dans mon trading aussi. Attends, je réfléchis au titre de l'article. Ouais, je vais chercher directement et tomber dessus sur du coup Google. Voilà, c'est cet article-là, le meilleur logiciel de backtesting Forex. Donc, je vous l'ai fait en 2020, ça commence à faire un temps. Donc là, vous pouvez cliquer, vous aurez la vidéo qui se lance, justement, où je parle du coup de pas mal de choses. Et je vous montre comment faire aussi, comment débuter un backtest selon plusieurs approches. Donc, je te partage tout ça, c'est très important du coup comme sujet. Donc, je vous invite bien sûr à regarder ça. J'ai eu des demandes par rapport au fait que peut-être le prochain webinaire pourrait être sur ce topic-là. Donc, en réflexion, on va voir justement si ça peut être intéressant à faire. Alors, deux hésitations sur GBPUSD. Un rebond ici. Pendant que je cherchais l'article, j'ai pas vu. Mais il y avait un rebond ici qui est parti. TP1 qui serait déjà atteint. Dans de la tendance aussi à M5. Avant l'obstacle, en fait, des 14 400 qui est ici. Qu'on avait un petit peu de distance pour aller chercher au moins un TP1. GBPUSD qui va hésiter. Pour l'instant, on est passé à un cheveu. Hein. Du coup, le low était sur les 54,9. Mon TP sur les 54,3. Donc, on n'est vraiment pas passé loin du TP1. On va voir ça. On va voir ça si ça peut se faire ou pas sur GBPUSD. Ahmed qui nous disait, je viens de télécharger MetaTrader 4, comment faire maintenant? Je suis vraiment largué, nous disait Ahmed. Alors attends Ahmed, je crois que j'avais fait... Il y avait une vidéo, du coup. Je vais regarder ça, je crois qu'il y a même la playlist. Pardon. Donc voilà, tu as la playlist ici, comment ouvrir un compte, comment faire un dépôt, comment retirer, comment faire un transfert, comment te connecter au compte réel, tu vois comment ajouter le DAX par exemple sur MT4, c'est la même chose hein, sur MT5, comment ajouter des indicateurs, comment passer un ordre au marché, position sur MT5, pas mal de petites choses ici, du coup, que je vais te partager dans cette playlist, je t'invite à regarder ça. Si j'ai eu du coup une fois 9 trades perdants. Alors tu vois, Thomas, ça peut arriver, hein. Donc attends, qu'est-ce qui était qu'est-ce que tu nous disais par rapport à ça? Ah oui, que parfois du coup ça remet en doute ta stratégie. Alors, pareil, du coup, depuis 2 ans que tu traites ta stratégie, tu as dû cumuler pas mal de trades. Donc tu as un échantillon de trades à regarder. Après, bien sûr, ça dépend aussi si tu trades de manière systématique ou plutôt discrétionnaire. Ça va changer beaucoup de choses dans ton backtest. Benji qui nous dit bonjour Jérémy, bonjour à tous. Il y a des discours BCE ce matin. Aurais-tu des infos sur le sujet abordé? Merci. Non, je t'avoue que non. Je suis pas fondamental. Du coup, je vais juste regarder l'heure à laquelle du coup ça va intervenir. Donc il y avait un beau setup aussi hein, sur du coup le DAX.
ici en M5, donc tant pis pour moi, mais rebond ici du coup, et on est déjà en train de travailler le sommet précédent. C'est le genre d'opportunité qui peut vous mettre à l'avance du coup en position pour un breakout possible d'une zone de résistance. Donc rebond pour l'instant ici, on revient toujours autour des 14 400. C'est pas pour autant qu'on va partir et casser tous les niveaux, c'est encore en travaux, hein. Vous le voyez, on est encore en train de travailler la zone. On va regarder aussi le FTSE 100 qui lui a commencé à se dégager sur une tendance haussière en break. GBPUSD qui est de retour sur mon point d'entrée, hésitant à revenir sur le niveau dont j'ai besoin, les 54,3. On est passé sur les 54,9. Du coup, vraiment, vraiment pas loin. Sébastien qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Sébastien, j'espère que tu vas bien. Achille également qui nous dit bonjour tout le monde, bienvenue à toi Achille. Et ça continue sur une poursuite haussière possible pour le DAX pour l'instant. GBPUSD qui revient pour l'instant, hein, sur son test de la mèche précédente ici. Il hésite à continuer directement la hausse, le DAX. Dans l'attente de voir ce qui va se passer, si on retrace un petit peu, si ça break d'un coup. Pour l'instant, ça break d'un coup sans trop retracer, donc on va voir pour la suite. Achille qui nous dit du coup bonjour tout le monde. Alors je crois que je l'avais lu, excuse-moi. Hop. Oui, on parlait corrélation aussi. Alors on va aller juste enlever un expert ici, puisque du coup la matrice des corrélations, pardon, nécessite un graphique aussi sur lequel on le pose, puisque c'est un expert advisor également. Donc corrélation matrix, on l'ouvre ici, on clique sur OK. Et du coup, on a tout ça qui arrive d'un coup. Alors. Là, c'est du M15, on va repartir sur des grandes généralités en daily. 300 barres, c'est l'équivalent donc des 300 derniers jours, du coup, évalués sur tous ces actifs-là en termes du coup de corrélation. Je vais juste enlever ici voilà, l'indice du dollar américain, puisque du coup, c'était un nouveau contrat à rajouter. De toute façon, on va regarder directement l'euro-dollar qui est ici. Donc l'euro-dollar, on va regarder le gold, on va regarder les indices. Donc par exemple, si on se pose la question, le S&P 500 par rapport au gold, il est corrélé comment de manière générale? Bah, il est corrélé de manière négative, mais pas non plus super, super importante au cours des 300 derniers jours. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ces phénomènes de mouvement ont des vérités générales, mais du coup ont des relations du coup qui se traduisent dans ces corrélations. Et ces corrélations fluctuent dans le temps. Si on avait fait ça il y a 3 ans, on n'aurait pas trouvé moins 39. On aurait certainement trouvé un chiffre un petit peu différent parce que ça fluctue. Parce que ça évolue. Donc pour moi, quand on veut jouer comment dire, ces opportunités-là sur le marché, quelque part, hein, il faut du coup pouvoir tenir compte de ce phénomène de corrélation, puisque c'est un phénomène de corrélation qui est fluctuant. Il n'est pas statique. À partir de là, eh bien, faut en tenir compte si on veut étudier les relations des actifs les uns entre les autres pour en tirer avantage. Donc le DAX, bien sûr, bah, super corrélé, hein, tous les indices boursiers ultra ultra corrélés. Le Brent, qui est très fortement corrélé ici, pour le coup avec le S&P, avec le Dow, avec le Nasdaq, avec le CAC 40, même le Stock 50 ici. Donc, par exemple, si on prend le Brent, corrélation, bah, du coup, quasi nulle, hein, avec le gold. On va avoir quoi d'autre? L'euro-dollar, qui va représenter aussi le comportement du dollar, bien sûr, puisque quand vous prenez l'indice du dollar américain et un graphique euro-dollar, vous voyez exactement la même chose, mais totalement à l'opposé. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce que c'est vraiment un phénomène, du coup, dans lequel on retrouve quelque chose de vraiment à l'opposé. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Du coup, sur ces graphiques-là, j'avais l'habitude à un moment donné de vous montrer justement les deux, mais c'est vrai que la plupart du temps, ils sont du coup, enfin,
tout le temps, c'est même pas la plupart du temps. C'est vraiment que là, c'est une corrélation très élevée, très constante. Ils sont du coup très 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 corrélés, mais de manière opposée. C'est pour ça que le comportement de l'un est totalement différent de l'autre, du comportement de. Enfin, il n'est pas totalement différent. Il est exactement pareil, mais à l'opposé. Donc, quand l'euro dollar monte, par exemple, l'indice du dollar descend, bien évidemment, puisque c'est l'euro qui s'apprécie face au dollar. Donc voilà, par rapport à ces corrélations-là, l'étude sur du long terme, donc là 300, on peut même monter à 500 jours, ça va évoluer un petit peu. Tu vois déjà là, le résultat même sur 500 jours diffère entre le S&P et le gold. C'est pour ça que ton point de référence et l'échantillon que tu étudies est super important. Si maintenant on va sur les 500 dernières heures, tu vois des résultats encore différents. Donc c'est ça en fait, hein, pour la corrélation, il faut pouvoir avoir bah, ce genre d'outil qui vous permet d'évaluer du coup ce qui se passe dans le temps. Et du coup d'évaluer le comportement si du coup à l'heure actuelle la corrélation est très forte, pas assez forte, etc. etc. Donc voilà, par rapport à la corrélation, j'utilise pas personnellement la corrélation du coup dans mon trading. Je préfère étudier directement, rester sur des choses simples. C'est pas que la corrélation est compliquée, c'est que ça complexifie votre méthode parce qu'il faut que vous passiez par l'étude des corrélations en plus, quoi. Voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde? 60 likes dans la séance, ça fait bien, bien plaisir. Merci. On est 146 participants ce matin. Ça fait à peine un quart d'heure que les marchés sont ouverts. On a eu une tentative de cassure qui n'a pas donné suite tout de suite, hein, sur les 14 400 pour l'instant sur le DAX. Mais en fin de compte, derrière, on a une bougie qui clôture, une deuxième bougie qui clôture, même si on a des mèches au-dessus, en dessous. Pour l'instant, cette tentative de cassure se tient. Le GBPUSD qui a du mal à redescendre. Je suis passé à un cheveu de monter P1. Tout peut se passer entre le stop et le TP, comme je dis très souvent. Donc, on va voir la suite. Alors le gold aussi, qu'est-ce qu'il fait? Le gold, il a continué sa baisse. Hop, ici, regardez, histogramme rouge, on continue dans la baisse. Ces extensions de Fibonacci qui nous donnent un test des 161,8 de Fibo, donc on peut s'attendre à un peu de respiration après. Alors si cette baisse peut continuer d'ailleurs sur le gold. Tiens, pendant que le marché du coup est un petit peu plus calme, on va regarder l'USDJPY toujours dans sa tendance haussière journalière en train d'aller chercher le test du sommet précédent dans cette mèche ici journalière importante. Le graphique OA lui va nous montrer le test de la résistance des 124, un niveau intermédiaire juste en dessous des 123,67 avant une zone support et aussi un PPR intermédiaire soit dit en passant autour des 123,38 et du coup les 123,15 qui nous attendent ici aussi. On est sorti en fait de la zone de range précédente, très joli breakout, retest côté extérieur, on monte et on continue sur une théorie 2, mais là on est en train de faire un double top sur ce graphique horaire face à la zone obstacle et résistance. Donc attention, peut-être à la cassure ensuite de cette zone-là qui pourra permettre plus de respiration, ou sinon c'est de la consolidation qui nous attend entre les 123,67 et les 124. On va regarder rapidement l'USDCAD. En fin de compte, regardez cette mèche rejet finalement en clôture au-dessus des 1,20 ici 4,75, clôture haussière et du coup réaction importante vis-à-vis de cette grosse zone support majeure journalière très très importante. Ça nous entraîne vers un autre niveau ici. Donc rejet pour l'instant, je vais rapidement le remettre ici pour la résistance, les 1,2505. La grosse zone est là, hein, les 1,2475. Ce que vous voyez là, c'est ce qui constitue la mèche journalière ici. Après, du coup, hein, bien sûr, sur le graphique horaire, vous voyez des plusieurs bougies qui clôturent, boum, on repart au-dessus, etc. Je viens de voir scénario, excusez-moi, en cours déjà sur du coup le DAX. Donc on va voir si on peut faire un test du sommet précédent, pardon, du sommet précédent, je vais y arriver, autour des 437. Le GBPUSD qui ne veut pas collaborer avec moi ce matin pour l'instant. On a même la Biggie Bell qui se retourne, donc c'est mal orienté pour l'instant sur ce trade du GBPUSD. On va voir si la hausse ici peut atteindre le bout de la mèche précédente ou si on ne va pas aussi hésiter sur le DAX pour l'instant. Donc voilà un rejet de la résistance 1,2505 sur l'USDCAD pour l'instant. Retour autour du prix médian qui va tourner autour des 1,2488 et sinon zone support des 1,2475. En cas de cassure comme ceci, une résistance qui passe support, à ce moment-là, on a les 1,2530 au-dessus. Du côté du Bitcoin, ici, un Bitcoin qui travaille beaucoup sa zone des 45 000, un niveau clé, testé une fois, testé deux fois, même ici avec un troisième test au passage. Le graphique horaire, lui, va nous montrer également du coup qu'on est sorti de la zone de range là pour aller faire à nouveau le test des 45 000. On est en rebond pour l'instant, donc attention à l'obstacle résistance du coup des 45 000.
45 700 pour l'instant en recherche sur le Bitcoin. Et du moment qu'on ne casse pas la zone support 45 000, c'est tout simplement support jusqu'à preuve du contraire. Donc attention à ça, bien sûr, ici. Ça commence à retracer hein, sur le gold. Double top par contre sur le DAX. Donc je suis passé à pas grand chose, 2 points de mon TP 1 pour le moment. On va voir si ça peut se tenir. L'Ethereum aussi derrière. Hop, je vais juste agrandir ça. Voilà. Je reviens dans le chat hein, dans un instant. L'Ethereum aussi, donc, vous rappelez, en cassure de sa zone de range majeure au-delà des 3200 tendances haussières. On est en train de respirer un petit peu, on a fait un sommet plus haut quand même. Le graphique horaire, lui, va nous montrer qu'on est reparti sous les 3420 pour travailler à un niveau 3350 après un rebond depuis les 3300. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis un niveau intermédiaire ici, on a fait le test rebond. Là, on est en train de vouloir maintenir un petit peu les 3350, peut-être pour un retest d'une zone support qui fera office dans un premier temps, possiblement, de résistance. Donc voilà pour l'Ethereum aussi. Du côté du gaz, on continue sur de la tendance haussière. Journalière, bien sûr, et horaire, vous le voyez, impulsion, correction, rebondit depuis le point pivot. Là, on tente la recherche en fait du sommet précédent avec la R1 mensuelle. Et si on regarde aussi le GBP/JPY, donc on a fini par évoluer ici en cassure. Donc je vais juste agrandir ça. Voilà, on a fini par réintégrer cette ancienne zone de range ici. Vous vous rappelez, on avait une petite zone de range qu'il fallait casser. On avait cette zone de range plus grande aussi qu'il fallait casser pour réintégrer la zone de range précédente. C'est fait. Du coup, on a même réagi aux abords de la borne basse sur le point pivot du jour. On travaille le niveau relativement médian de la zone aux abords de la R1, du PPR intermédiaire mensuel. Et aux abords de la R2 du jour, on a la borne haute avec les 162,70 environ. Donc ici, on finit par rebondir un petit peu sur le GBP JPY. Rapidement, du stock 50 qui travaille ses derniers creux en rebond. Bon, pour l'instant, l'eau du SD, hein, tendance haussière, je vous fais un petit récap de tout là, tendance haussière du coup horaire, on est en train de vouloir rechercher le test ici, donc si on arrive à breaker, on pourrait repartir un petit peu plus haut, il y a le test du point pivot avec ce sommet là qui sera très déterminant aussi pour l'instant, et l'euro qui est largement baissier, qui se maintient avec une zone support S1 mensuelle cassée, donc à titre de résistance pour l'instant, mais superbe baisse, ça hésite un petit peu pour relancer, ne serait-ce déjà que le test du creux précédent, on n'a pas été loin sur le bout de cette mèche. Voilà un petit tour du coup par rapport à tout ça, puisque les marchés du coup se calment un petit peu. Voilà, GBPUSD pour l'instant qui retrace profondément. J'ai toujours un scénario en place puisque le stop n'a pas été cherché, n'a pas été recherché. Le DAX par contre aussi qui pour l'instant va avoir du mal. Je suis passé pas loin du bout de cette mèche ici. Donc on va voir s'il y a du retracement. Bah, j'aurai peut-être un stop, mais je pourrais profiter aussi peut-être d'une phase de retracement. Peut-être parti pour un retest des 14 403. À voir. Christian qui dit du coup comme le Jet Kundo. Pour le trading simplifie. Alors attends pas. Simplicité de votre trading égale efficacité de votre trading. Le Jet Kundo. C'est un art martial peut-être que je connais pas. Ça me dit rien en tout cas comme ça. Merci Christina. En tout cas, on retrouve plein de choses hein, dans les arts martiaux, dans le poker. Des vérités qui sont un peu générales à plein de domaines en tout cas. Top ton message. Edouard qui nous est TP2 like s'il vous plaît. Merci beaucoup Edouard, ça fait plaisir. On est déjà à 80 likes. TP1, je rappelle, c'est 100 likes. 125 TP2 et TP3 150 si on veut aller plus loin. Achille qui nous est. Bonjour tout le monde, bienvenue à toi aussi Achille. Florian qui nous disait, donc EURUSD et Gold, ça donne moins 13, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la... Alors je me rappelle plus, attends, c'était sur quelle référence de... Hop, regarde, hop, ici. Le Gold, alors là, tu vois, sur 500 jours, il a plus 60. Donc c'était peut-être sur les 300 jours. Voilà, moins 13 ici. Donc en fait, quand tu cliques dessus, tu vois ce que ça donne. Hein. De toute façon, un score bas, c'est un score de corrélation. Qui veut dire que tu as peu de, peu de,
d'impact, peu de réaction. Ici, tu vois peu ou carrément pas de corrélation. Ils mettent, hein, la position, du coup, de ces symboles auront tendance à se déplacer indépendamment, du coup, et présentent des rentabilités qui ne sont pas, du coup, liées aux unes aux autres. Donc, en fait, quand tu es sur un score très bas comme ça, c'est une très très faible corrélation, voire, du coup, inexistante sur la période étudiée. Je le rappelle, puisque tu as vu, quand tu passes à 500 bars, ça change. Tu passes directement à 60, à plus 60. Donc c'est là le point de référence est super important pour les corrélations. On dit souvent les corrélations, c'est comme ça, mais pour moi, il faut vraiment les étudier. Du coup, il faut fonction de l'horizon de temps qu'on souhaite étudier. Donc si par exemple tu souhaites trader, je sais pas, des graphiques horaires, tu peux regarder du coup ces corrélations sur graphiques horaires aussi, ça peut t'aider si tu veux, tu vas apprendre tes décisions. Après, il faut le faire, tu le sais bien ce que je vais dire, hein, de manière systématique, c'est le plus intéressant pour avoir des résultats qui sont potentiellement sympas. Pour l'instant, le FTSE 100 qui donne pas tout de suite. Le FTSE 100, le GBPUSD. Des fois, je vous dis le FTSE en pensant à la livre sterling, mais c'est le GBPUSD, hein, qui a du mal pour l'instant à retourner sur les 50, 55, 50. Pour l'instant, on travaille le PPSA intermédiaire mensuel à titre de résistance. Au-dessus, on a les 1,3075. Moi, j'aurais aimé, voilà, on est passé pas loin des 1,3054 et quelques. Mais bon, ça arrive, on ne peut pas avoir 100% de trade gagnant, ça c'est important, faut pas l'oublier. Le marché, du coup, est là pour nous le rappeler, hein, quand il faut. On parlait tout à l'heure de drawdown, mais faut savoir qu'on peut enchaîner aussi beaucoup de trades gagnants d'affilée. On peut enchaîner 15 trades gagnants d'affilée si on a une bonne stratégie, mais on ne pourra jamais aller à 50 trades gagnants, par exemple, d'affilée. Je parle bien sûr quand on fait les choses bien, quand on met un stop aussi, du coup, qui est censé, quand on a une bonne gestion du risque, etc. Florian qui nous dit du coup le Jeet Kune Do c'est un art martial inventé par Bruce Lee. Ah, ça marche. Ça marche. Je savais pas. Moi j'ai fait du Aikido quand j'étais un peu petit. Christina qui dit à Thomas du coup c'est tous les jours la formation, il faut juste écouter et suivre ce que Jérémy nous apprend chaque jour. Merci beaucoup Christina pour ton message. Oui, effectivement, j'ai fait référence à un art martial, nous disait Christina. Parfait. Parfait. Michael qui nous dit, ça veut dire des corrélations très fortes ou corrélations négatives très faibles selon les points de vue. Oui, voilà, c'est, on peut dire absence de corrélation ou et corrélation très très forte en négatif, c'est quand même les scores sont importants, tu vois. Pour moi, c'est la manière dont je vais lire ça. Mais je l'utilise pas en fait dans mon trading parce que justement, je trouve que il y a plus simple pour simplifier le process et faire des bonnes choses. Thomas qui me dit du coup combien ça coûte votre formation? Alors je peux pas parler de ça directement sur le chat ici chez Admirals. Je t'invite, si tu veux faire une demande, Thomas, d'information des outils LTR, c'est important de le mentionner comme ça. Demande d'information des outils LTR, du coup, par mail dans le descriptif de la vidéo. Deuxième ligne, tu as l'adresse mail france@admiralmarkets.com. Ils te renverront directement sur le site où tu auras toutes les informations associées à ça, au système, et tu pourras même m'écrire directement sur le chat. Assez dommage. Pendant qu'on parlait, il y avait tu vois, deux trades que j'aurais dû prendre aussi ce matin. Faut que je sois un petit peu vigilant par rapport à ça. Il y avait du coup un trading en range à faire sur le DAX en M1. Bon, toujours dans mon premier trade en tout cas. En attente d'aller rechercher encore un Renko et demi plus haut. On va voir ce que ça peut donner. Le GBPUSD toujours en cours aussi. Mais sinon, il y avait déjà deux trades du coup à prendre gagnant pour un TP1 ou un sur le DAX. Même TP2 hein, sur le premier M5 que je vous ai montré. Et il n'y aurait pas eu encore un stop sueur. Ah si, il y aurait eu un stop sueur de sortie déjà. Allez, on va voir si GBPSD revient sur mon point d'entrée. Point d'entrée pour moi autour des 1,3061, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure en vente sur mon système sur le GBPSD. Bah, d'ailleurs, si vous voulez, je peux le répliquer là pour que vous le voyez en temps réel aussi. Si ça redescend un petit peu, on va revenir sur le point d'entrée. Christian qui dit du coup Florian, oui c'est ça, bravo. Point d'entrée pour le trading range, c'était les 408. Donc c'est bien parce que c'était sur une équivalence M1.
Et du coup, c'était à peu près là, les 408 pour du rebond. Allez, on va peut-être avoir la baisse pour que je vous réplique le trade sur lequel je suis en cours en GBPEZ depuis directement le graphique temps. Pour ça, il faut qu'il revienne sur les 1,3061. Bah, tiens, d'ailleurs, je peux utiliser ici, regardez la colonne rouge. 1,3061. 1. Alors, on va descendre un petit peu. 61,2. Hop, voilà. Donc, je peux risquer hop, 50 euros par exemple. Pour voir si ce scénario se déclenche. Bon, étant donné que pour l'instant que j'ai la Big ML face à moi, il y aura moins de poursuites possibles, on va voir ce que ça donne. Big ML étant présente à l'heure actuelle sur les 1,30, du coup 57,9. L'air de rien, il y avait déjà deux trades hein, du coup à prendre sur le DAX. Moi j'en ai pris un de plus agressif pour voir si le breakout pouvait tenir. Je suis toujours dedans pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Toujours autour du point d'entrée. Pardon, puisque le point d'entrée, c'est vraiment là où on est, les 14 420 et quelques. On a de plus en plus le souhait de respirer également sur le FTSE 600. CAC 40 qui est toujours pas sorti de sa zone, hein, de toute façon. Qu'est-ce qui se passe sur l'euro-dollar? On a réagi donc depuis les 1,0875, mais ça c'était déjà avant l'open. On a été testé les sommets précédents, on est déjà en train de réagir un peu vers la sur de la baisse en fait. Moi, ça range aussi pour moi sur le CAC, hein. Je vous le montre ici, ça consolide. Attention, l'histogramme qui est gris sur l'équivalent 5 minutes. Allez, déclencher du coup pour répercuter le trade que j'ai sur mon système à côté. J'aimerais bien un retour sur les 1,30, du coup 54, comme on disait. Voilà, à peu près ici, autour du creux en fait précédent. Comme ça, vous pouvez suivre en temps réel aussi le trade que j'ai pris tout à l'heure sur le GBP. Toujours en cours. Ça a du mal hein, pour l'instant sur le DAX à partir sur de la hausse. On repart un peu sous les 14 000. Voilà, le stop qui est sorti hein, pour moi sur le DAX pour l'instant. Toujours en cours sur le GBPUSD. Sofia qui nous dit bonjour, bienvenue à toi Sofia. Bon, pour l'instant, un marché qui se cherche quand même, hein, ça retrace bien profondément maintenant sous les 14 400 quand même. C'est dommage, j'ai loupé les deux trades gagnants et du coup j'en prends un qui a le stop. Donc c'est comme ça aussi, hein, le trading s'est fait en fait de séquences de trades. Ils sont gagnants, ils sont perdants. Personne ne peut prédire du coup l'ordre ni quoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des séquences de probabilité, de statistiques pour essayer d'être la plupart du temps du coup dans un résultat cumulé de trades gagnants et de trades perdants sur des résultats où on a plus de trades gagnants que de trades perdants et idéalement avec un ratio quand même un minimum intéressant bien sûr. C'est marrant, vous voyez le FTSE 100 qui rebondit. Bah tiens d'ailleurs j'ai un setup en cours ici sur le rebond du FTSE 100 en attendant d'aller chercher un TP sur les 6000 6000 7609 du coup. On attend de voir si on a du rebond ici aussi, parce que c'est un retracement assez profond sur le 78,6 de Fibo. Mais c'est vrai qu'on va avoir l'obstacle des 14 400 qui commence à arriver. On est proche du TP1 sur le. Alors je vais aller voir ça pour sortir ici en manuel aussi. Proche du TP1 pour une sortie partielle de 50%.
Oh, on est passé à un cheveu encore. On est passé vraiment à un cheveu ici. Sur le GBPUSD d'aller déclencher les 1.30, les 1.30.54.3. On est descendu vraiment très proche comme tout à l'heure. Allez, ça va peut-être le faire ici. Je vais sortir en simultané. Quand mon ordre du coup est automatiquement déclenché à 50% sur mon système LTR, je vais sortir aussi à la main ici sur le mini terminal. On est passé à un cheveu encore plus bas que tout à l'heure, mais sans faire la clôture que j'ai besoin pour ces trois premiers Renko. Allez, ça se retourne hein, sur le DAX, donc je vais arrêter de chercher un rebond possible. On a fait un point bas, mais vraiment proche, proche, proche. Le point bas, c'est sur les 50. Alors, c'est la 1.30.54.5. Pour moi, c'est la 1.30.54.3 que je dois aller chercher. Vous imaginez seulement 0,2. Seulement 0,2 pips ici. Je suis passé pour l'instant de mon TP1 sur le GBP/USD. Donc voilà, annuler ce scénario sur le DAX, puisque retracement trop profond désormais sous la partie résistance des 14 400. CAC 40 qui repartirait sur une tendance baissière possible. Qu'est-ce qu'il fait le gold? Le gold, il commence à revenir de plus en plus hein, sur sa zone. C'est la zone des 1920 côté extérieur, attention. Hein, sur laquelle on est. C'est hésitant. En fait, sur le GBPUSD, regardez, on est passé à 1 mm. Si on zoome, vraiment 1 mm du TP. Extension 61,8 de Fibo, vraiment 1 mm. Donc on va voir ici comment ça évolue. J'essaie de sortir aussi au même moment hein, côté manuel avec le mini terminal. Ça ferait quoi? Ça ferait à peu près du coup du 6-7 pips sur le TP1. Dominique qui nous disait Bruce Lee du coup a inventé le Jeet Kune Do, le Taekwondo et coréen. Du coup, pardon, pratique et passion de ma jeunesse. Maintenant, c'est le trading. Top Domi, top, top, top. Merci pour le partage aussi. Il y a tellement d'arts martiaux différents, c'est incroyable. Christina qui nous dit dépassement à la baisse des 14 313. Attention, accélération baissière sur les 14 242 pour toi. Sur des grosses unités de temps, hein, je pense. Enfin, plus grandes en tout cas que les là où on est. Puisque 245, ce serait même la cassure donc des 300 avec la zone support S1 autour des 87. Ouais. De toute façon, oui, si cette zone-là se transforme ici, hein, bien sûr, qui est cassée, ça se transforme en résistance et on aura de quoi, du coup, descendre encore un peu plus bas. Allez, est-ce qu'on va pouvoir faire ce déclenchement manuel 50% avec le mini-terminal ici en sortie partielle TP1 attendu sur les 1.30.54.3? Yann qui nous disait du coup SL aussi pour moi sur le DAG, je suis rentré avec très léger en nombre de lots et au vu du flux, on reste spectateur pour l'instant. Ça marche, Yann. Il y avait deux autres points d'entrée qui étaient très bons, mais c'est vrai que j'étais pas dessus quand c'est arrivé. Et du coup, là, le trade que j'ai pris était plus osé puisque déjà élancé en fait, le mouvement était déjà élancé. Vous voyez souvent prendre du retracement, c'est des zones à potentiel de prix vraiment favorable et intéressant. Bob qui nous dit allez, bonne journée à tous et bon courage. Merci à toi aussi, Bob. Très bonne journée. Si baissier, je surveillerai bas d'OPR, du coup, plus bas du jour, nous disait Yann. Ça marche. Ça marche. Je suis dans l'attente hein, de voir si je peux aller sortir en manuel, du coup, 50% pour le GBP/USD. Ça commence à remonter un peu sur le FTSE 100. J'ai un TP1 sur les 7609,24 en attente. Vivi qui nous disait du coup je vois un support oblique aussi pardon, sur le CAC qui date de mi-mars. Le prix travaille ce support, on dirait que ça ne veut pas que ça ne va pas tenir. En graphique horaire du coup. Ah sur le CAC, pardon. Pas sur le DAX. Sur le CAC. Graphique horaire. Je vois ce que tu veux dire, ça doit ressembler à ça. Ça correspond un peu avec mon niveau clé des 6600, donc la concordance ici c'est plutôt bien. Allez, on est sur les quasiment sur les niveaux. On attendait 1.30.54.3 pour être précis.
Il a du mal, hein. Il a du mal. On va voir s'il peut y aller. Oh là là, il réagit tellement juste aux abords de ce niveau-là. Il réagit vraiment sur les 55 en fait. On a quoi? 5 000. Ah voilà, la clôture qui s'est faite. Alors on va voir si sur ce début de bougie, on a un petit peu de baisse pour faire une mèche peut-être qui me permettrait d'aller chercher quand même le niveau. Freddy qui nous est piégeur ce Dax. Ouais, pour l'instant oui, hein, il a fait croire. Alors il y avait des beaux setups à prendre. Hein. Il y avait des beaux setups à prendre. Celui que j'ai pris était plus risqué, je vous l'avoue. Mais alors ça réagit pour l'instant sur le Dax, sur le GBPUSD, pardon. Le footy 100, je suis en cours en attente aussi des 7609. Allez, si on peut revenir sur la 1.30.56, normalement ça peut se faire ensuite pour la 1.30.54. Mais on est passé une fois de plus, hein. Regardez ici, à un cheveu du TP. Donc quand c'est comme ça, on peut se dire, voilà, je vais remonter un tout petit peu le TP. Oui, c'est des choses qui peuvent se faire. Bien sûr, c'est des parades qu'on peut mettre dans son trading. Après ici, je vais aussi vous montrer ce que c'est que de respecter un TP, de ne pas aller raccourcir le ratio. Donc voilà, c'est des fois je m'amuse à le faire. Je vous fais des démonstrations ici, clairement. Ce n'est pas toujours des trades que moi j'aurais pris sur Contrail que je vous montre. Hein, ça, c'est important de le comprendre. Ces séances sont à titre éducatif et pédagogique. J'essaie aussi de vous montrer plusieurs petites choses pour que vous puissiez du coup vous-même aussi travailler sur votre plan, sur votre stratégie, améliorer, réfléchir à certaines choses, etc. Comme on en a parlé par exemple hier sur le money management. Un GBPUSD qui réagit face à son creux précédent. On a un FTSE 100 qui est pas loin de revenir sur les 6700. Décidément, je ne sais pas ce que j'ai avec le FTSE 100 à dire 6000 alors qu'on est sur du 7000. 7607 du coup, possiblement ici on va voir. Donc ça repart hein, sur de la baisse sur le DAX pour l'instant. C'est déjà élancé. On a le FTSE qui vient travailler côté extérieur les 7600. On va voir si ça tient. Le CAC 40 qui travaille ses creux précédents déjà. Le CAC 40 n'est même pas sorti de sa zone. Hein. C'était vraiment entre les 6650 et les 6600. Et déjà 9h43, 89 likes, ça fait bien plaisir. Merci. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à partager un maximum. Ça fait vivre la chaîne YouTube. Ça rend possible, bien sûr, qu'on soit là et tous les jours ensemble de 8h30 à 10h. Donc c'est important aussi pour que je sache que ce contenu vous plaît. La baisse qui continue sur le DAX. Ça se retourne pas pour l'instant. Ça commence à baisser même sur le FTSE. Pas qu'on retrace trop profondément sur le FTSE 100. En train de tester les 6600 sur le CAC. Le DAX, on est déjà prochainement sur la zone 14300. Attention, hein, zone support. Thèse qui nous dit bonjour. Du coup, je n'ai pas pu assister au webinaire sur Money Machine. Y a-t-il une possibilité de le revoir, Thèse? Oui, il y aura un replay mis en ligne bientôt. Sur la chaîne YouTube. Michel qui nous a dit du coup pour faire suite à ma question d'hier sur placement de... Pardon, du stop loss sur une position M5 avec l'ATA. Yes, oui, c'est vrai, tu nous en as parlé. Alors sur l'exemple du gold, le prix 1919,60, l'ATA 1.848, ça veut dire que mon SL doit être du coup au 1917 environ. Du coup, là, c'est pour un exemple à l'achat. Donc tu dois être en fait à 1,848 dollars en dessous. Du prix, ouais, ah, oui, c'est ça. Voilà où je mélange avec les points, du coup, la croix
Alors avec la croix, il faut faire attention, hein, parce que c'est des notations sur la plateforme. Ces notations sur la plateforme peuvent justement vous mettre en erreur. Pourquoi? Parce que par exemple, pareil, hein, sur la bougie actuelle, par exemple, des 42 jusqu'au mouvement actuel, en fait c'est 36. Vous voyez à côté du coup de ma souris, en fait, on a les 14 306, donc c'est le prix là où je me suis arrêté, par exemple. À côté, on a 4 barres. 4 barres, c'est du coup la distance comme ça. Alors le stop a sauté, hein, sur le FTSE 100, du coup, toujours encore sur GBPESD. Par exemple, regardez ici, hop, on a une, deux, trois, quatre barres, vous voyez? Donc ça, c'est le nombre de barres à l'horizontale, en fait. Juste derrière, vous avez 1242 points. Ce n'est bien évidemment pas cette distance toute petite sur le graphique, 1242 points. C'est uniquement 12,42 points. Donc c'est là où il faut faire attention à la notation par défaut de MetaTrader et la notation que nous, on suit bien sûr en tant que trader et que le mini terminal va prendre en compte aussi. Donc pour le gold, j'aime réfléchir pour ma part en dollars l'once d'or. Je trouve ça beaucoup plus simple aussi. Et à partir de là, tu peux utiliser, oui, l'ATR, hein, comme j'en avais parlé dans la vidéo. Donc c'est le replay disponible du webinaire sur les stop loss. L'ATR pour être dynamique avec du coup la volatilité du marché. Mais après, tu as plusieurs façons de faire. Soit tu prends juste la valeur de l'ATR, tu la rajoutes à un sommet ou à un creux. Soit tu utilises des multiplicateurs. Soit tu prends le point d'entrée, tu mets la distance de l'ATR. Soit tu prends le point le plus haut de ta bougie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein, plein, plein de méthodes à faire derrière. Mais la notation doit être bien sûr bien tenue en compte. Donc moi, j'aime le faire comme ça. Je t'invite à penser aussi en dollars l'once d'or sur le gold. Je trouve que c'est en fait beaucoup plus simple. Donc est-ce que c'est clair pour le coup? Michel Antoine qui disait merci, je t'en prie Antoine avec plaisir. Yann qui disait du coup, si le DAX break le plus bas du jour, ça peut descendre loin. Je ne vois pas de niveau clé en dessous pendant un moment. Alors c'est en train de casser 14 300. Il y a des zones support S1, des zones support S2. Tu as des niveaux clés, des niveaux psychologiques, 250, 200, etc. À regarder, ça c'est des repères toujours intéressants. Et si on descend sur les graphiques horaires, quand on remonte un petit peu dans le passé, tu as quand même cette zone-là aussi, hein, autour des 225 par exemple, qui a joué pas mal de fois, du coup, zone support et résistance aussi dans le passé. Donc je vais arrêter de tenter des rebonds sur le FTSE 100, hein, ici, puisqu'on a bien réintégré la zone. C'est comme tout à l'heure, en fait, quand on rejette un peu trop et qu'on réintègre un peu trop la zone, bah, j'arrête de rechercher le mouvement dans le sens, en fait. Le GBPUSD qui passait vraiment un cheveu, pour l'instant, ça a réagi. Retour, du coup, sur du moins 7 pips en cours pour le moment. Christina qui me dit, du coup, 14242, 14205 pour moi sur des zones de réaction. Oui, avec les 225 au passage, ouais. Lucas qui nous est sur le gold, on teste actuellement la borne basse du range horaire, n'est-ce pas? Alors hop, on va repartir sur le graphique horaire. On est même en réintégration, hein. Pour l'instant, on est même en réintégration. Ça va ranger sur le. Pardon, j'ai BPVC pour l'instant. Il est 9 h 48 déjà. Le marché qui a été un peu piégeur ce matin, faisant croire à une poursuite par l'eau. Il y avait des trades gagnants à prendre à la hausse aussi, bien sûr. Quand toujours, il y aurait eu deux trades gagnants, un trade perdant sur le DAX et un trade perdant sur le, du coup, ici, le GBP, sur le FTSE 100, pardon, et un sur le GBPUSD, passer 1 mm du TPA. Mais un trade perdant peut ressembler à ça. Ça peut ressembler à passer 1 mm du TP et partir direct sur le stop. Ça arrive. Il n'y a pas de perfection dans la vie, il n'y a pas de perfection en trading, c'est la même chose. Christina qui nous dit du coup, si ça va plus bas et qu'on a une clôture, ça fait sous les 14 313. Ah, tu veux dire du moment qu'on maintient les 313, ouais. Même les 300, 310, la zone. Ça casse, hein, sur le CAC 40, ça y est. On va voir si on a un peu de respiration pour revenir sur les 300, mais bon, il est déjà 9 h 49. La séance qui va bientôt s'arrêter. Michel qui nous dit du coup, oui, un peu plus, il faut que je pratique. Ça marche, Michel Day, n'hésite pas. N'hésite pas en tout cas. Christian qui nous dit du coup, ça passe vite, du coup, du mouvement, on adore.
Ah, pardon, ça passe vite du mouvement. Ah, tu veux dire que tu aimes quand ça va vite, hein, le mouvement qui est directionnel et qui s'arrête. Ouais, c'est clair que quand tu es dedans, tu n'as plus qu'à gérer tes TP, tu as géré ton stop sûr, c'est parfait, c'est sûr. C'est sûr. 98 likes, on est à 2 likes du TP1. Merci à tous, hein, tous ceux qui prennent le temps de liker la vidéo. Belle baisse pour l'instant en réaction du coup des 14 400 la résistance. Je pense pas que j'aurai de nouvelles opportunités d'ici la fin de séance pour l'instant. Ça y est, on est passé à 105 likes. Merci à tous ceux qui likent du coup la vidéo. Le replay du coup du webinaire sur le money management sera en ligne aujourd'hui ou demain. On se retrouve bien sûr demain pour un live aussi de 8h30 à 10h, vendredi également. On continue comme ça, bien sûr, nos séances du matin. GBPUSD qui hésite beaucoup, qui n'a pas voulu casser un tout petit peu plus bas son dernier sommet. Ça réagit pour l'instant. On a un DAX qui hésite à continuer sans trop retracer. On a un CAC 40 qui vient de breaker les 6600 maintenant. Je vous montre le CAC 40 ici. Break avec un début de tendance baissière ici pour le système LTR. Donc une belle baisse déjà de 33 points. La volatilité qui apparaît aussi sur le CAC 40 pour l'instant avec une belle baisse du DAX. Travaille les 275 sur le DAX pour l'instant. Éléphant qui nous dit bonjour, bienvenue à toi Éléphant. Christian qui nous dit du coup oui, likez, il faut atteindre le prochain TP des likes. Ça fait plaisir Christian, merci beaucoup. 113, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Florent qui nous dit du coup quel est ton prochain support sur le DAX. Là, on va regarder ça. Hop, on va regarder ça. Donc tu vois ici, réaction de la résistance, on est en train de tenter la cassure de la zone support S1 en concordance, relativement en concordance avec 25 points de marge, hein, autour des 14 300. Quand on regarde ce qui s'est passé un petit peu avant, on a des zones ici intéressantes autour des 225 à peu près. On a certes toujours le niveau clé des 250 qui peut représenter un niveau intéressant. Les 220, en fait, hein, si tu détailles vraiment en plusieurs étapes, tu as les 250, 225, 200 qui vont travailler ici en fonction de tous ces creux-là qu'on avait fait dans le passé. Et si tu remontes encore plus loin, tu peux essayer de trouver des concordances encore plus intéressantes. Mais 225 me paraît sympa. C'est pas trop loin, c'est pas trop près. Bien sûr, il faudra passer par les 250. Hein, c'est toujours les paliers du coup qu'on peut retrouver sur ce genre d'actifs. Le BPUSD qui a du mal hein, à descendre. Ça peut de toute façon ranger pas mal. Jusqu'à retrouver le TP, voire vraiment descendre. Ça peut aussi bien sûr taper beaucoup plus la résistance avec la petite sensibilité, sortir quand même. Tout peut arriver entre un TP, ce que je dis très souvent, et un stop loss. Bob qui nous disait, je suis revenu voir, waouh, j'avais du coup une vente en attente sur le DAX, sur les 14 350. Bonne journée à tous, excellent Bob. Excellent Bob, t'es en bonne position du coup, ça fait plaisir. Bruno qui nous dit du coup, oui, jolie baisse 300 points de prix en deux pyramidages. Bravo Bruno, ça fait vraiment vraiment plaisir. Très très beau score pour toi du coup. Karl qui nous dit du coup, DAX, ça peut remonter aussi vite. Alors des baisses impressionnantes comme ça, enfin impressionnantes, des baisses on va dire directionnelles comme ça, peuvent susciter des retracements aussi relativement proportionnels. Bien sûr, tout peut arriver sur les marchés. Tout peut arriver. Soit on continue de manière agressive, soit on peut retracer un tout petit peu, soit on peut retracer beaucoup. Du coup, ce qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on fait dans chacun de ces cas de figure. Je viens de voir le scénario, du coup, TP1, ça y est, de fait, du coup, pour du 13 points sur les mouvements en baisse ici. Petit dernier trade, hein, attrapé par l'assistant ici aussi. Du coup, le creux précédent qui peut être intéressant à l'étude, même si bon, on a des extensions très loin étant donné l'amplitude du mouvement. Hein, il y a des... ben là, voilà, on a des 104, les 14 180. Donc ça me paraît très loin. On est sur la fin de séance, donc je vais rester quand même proche hein, des niveaux actuels pour finir cette séance avec vous.
sur un petit trade gagnant du DAX aussi. Du coup, actuellement, il est 54. On va pas tarder aussi à faire le récap de marché. Petit récap de marché pour vous donner mon point de vue sur le reste de la journée, sur ce qui s'est passé jusqu'à présent d'ailleurs, hein, sur les marchés aussi ici. On fait en général autour des 55. Bruno qui nous dit coup, là le plus bas, du coup, SMEC PREC bloque la baisse. J'ai pas compris, je t'avoue, SEM PREC bloque la baisse. Ah, le plus bas de la semaine, tu veux dire précédente? Ouais, je pense que c'est ça, le plus bas de la semaine précédente qui bloque la baisse. Je pense que tu voulais dire ici. Voilà, les 55, on va faire le récap de marché. Je suis en démo actuellement, nous disait Ahmed. Parfait, Ahmed. C'est bien de commencer, hein, sur la démo pour découvrir la plateforme, comprendre comment on passe un ordre, etc. 115 likes. Pardon. Merci à tous ceux qui posent des likes, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vais juste vous faire un petit récap de marché. Du coup, ce qui s'est passé aujourd'hui, bah, c'est en fin de compte une fausse cassure pour l'instant. Clairement, hein, pour un rejet. Donc, scénario en baisse qui a été fait, direction le creux précédent, ça a été très vite. Du coup, pour le moment, on va. Alors, je vais juste rabaisser un petit peu mon stop. Hop. Mon stop suiveur ici, hein, sur la position en cours sur le DAX. Comme ça, quoi qu'il arrive, c'est déjà un petit scénario gagnant. On va voir si on peut juste aller chercher rapidement les 255 avant la fin de séance. Donc là, réaction par le bas. Donc on est dans un scénario maintenant de baisse possible, du moment qu'on arrive à se maintenir sous la zone support qui passe résistance, direction à ce moment-là. Possiblement ensuite la zone support S2 autour des 180. Moi j'ai une extension 61,8 de Fibo qui est pas mal ici. On parlait des 225 au passage, des 200 aussi bien sûr à surveiller. Ces niveaux, ces paliers on va dire à franchir. Du côté du CAC 40, on a un CAC 40 ici qui du coup arrive enfin à sortir de sa zone de range ici, déclenchant le scénario baissier breakout direction zone support S impossible et notamment les 6650. Attention, cadré intégration à un trading de range de retour, ce qui susciterait un petit peu du coup des scénarios bien sûr de baisse, de hausse. Pardon, de rebond dans un premier temps. Allez, à une brique d'aller chercher le TP2 sur les 255, ça y est, c'est fait. Sorti automatiquement ici pour finir sur cette séance, du coup, avec 19 points. On va voir, hein, si les dernières minutes ça peut susciter des cassures des 250. J'ai un 61,8 sur les 180. J'ai de la 100% de symétrie de marché sur les carrément les 14113. Donc je peux me placer à break-even. Hop, je vais me placer break-even sur le trade, gagnant quoi qu'il arrive. On a un FTSE 100 ici qui a méché aussi, hein, qui a rejeté les 7600. Il revient sur son point pivot et attention à la zone support aussi des 575, soit pour du rebond, soit pour une réintégration de zone de range. S&P 500 ici qui du coup aussi tente la cassure de son creux précédent en réaction à la résistance. Donc on passe sous le niveau intermédiaire qu'on avait placé des 4517,50 direction possible, la zone support S1 et notamment les 4500. Attention à la réintégration comme ça ou à la poursuite bien sûr pour continuer plus bas. Du côté du dos, ça va être la même histoire. On casse le creux. Par contre, on a toute cette zone-là désormais qui va faire office de résistance. On va voir si on a un retracement en fait, un pullback hein, en anglais. Pour revenir ici, continuer la baisse. Sinon, on retrace et du coup, on casse la résistance qui se repasse support et on retravaille la zone. Hein. Ça va être le même principe ici sur plusieurs actifs qui sont extrêmement corrélés. On a aussi le Nasdaq, bien sûr, qui est dans ce principe-là avec cette zone, du coup, anciennement zone support, 14775 qui est zone résistance désormais. Attention à un test comme ça ou à une réintégration et à un maintien. C'est un petit peu ce qui va se passer pour le reste de la journée. Des niveaux clés à regarder. Le Gold qui a tenté sa cassure mais qui n'a toujours pas confirmé. On est pour l'instant en réintégration de zone de range justement, donc vraiment les 1920 $ l'once d'or ultra important, soit pour du maintien, soit pour du breakout à nouveau sur le gold. Du côté du Brent, on va regarder ça brièvement aussi. On est en maintien du point pivot pour rechercher le sommet précédent et les zones résistance 111,15 et notamment la R1 du jour. Donc obstacle dans un premier temps possible. Et si on casse, attention au test de la borne du triangle symétrique qui se resserre sur le Brent aussi. Du côté de du coup, ici du Forex avec l'euro-dollar, on a du rebond pour l'instant direction les 1,0950 dans un premier temps. Après autant de baisses, ça a du sens aussi de vouloir respirer un petit peu. Obstacle là autour du dernier sommet horaire, on verra si ça peut marquer bien sûr sa nature véritable en résistance ou si cette résistance sera pas cassée pour repasser support et respirer plus haut. Là, on a des trois concordances. On a le BPSA intermédiaire mensuel, le point pivot journalier pardon, et les 1,0935 que j'ai placé.
Allez, rapidement, GBP/USD, toujours en cours. Ce GBP/USD, dans un scénario de baisse possible, en rejet des 1,3075, le souhait de revenir autour des 1,3050 possible pour continuer la baisse à terme aussi, pourquoi pas, sur les 1,3025, un marché qui se pose encore des questions pour l'instant. Ça m'étonnerait pas qu'on commence à avoir des divergences ici entre ces deux bougies qui mèchent pas mal. Toujours en cours sur mon scénario, bon, je vais regarder la montre, 59, je pense que je vais clôturer tout ici. Du coup, un petit scénario pour finir. Donc là, il y avait, alors c'était pas ici, c'était sur le graphique M5, j'avais pris un trade perdant. Du coup, là, du coup, un trade gagnant pour finir la séance à la vente de l'autre côté. Le principe même de trader un marché tout en se demandant si on n'est pas déjà trop bas, il y a des manières de faire pour savoir ce genre de choses-là de manière systématique et pouvoir profiter quand même de ce genre de mouvement-là qui continue, qui a de l'amplitude possible. Hein, du moment qu'on casse les 50, on peut avoir un stop sueur qui soit assez intéressant. Donc voilà par rapport à ce scénario-là. Bon, celui du FTSE 100, je vais sortir, il est toujours en cours, non loin du point d'entrée ici. Pareil, je vais clôturer par là, hop, finir à moins 5 pips là-dessus. Et pour finir avec le Bitcoin en fait qui a réagi depuis 45 000, on n'est pas revenu encore sur la résistance qui corrobore la borne basse de l'ancienne zone de range ici. Du coup, pour un premier rejet possible ou une réintégration. Pour l'instant, le Bitcoin, il est en plein milieu de sa zone. On va voir si on ne fait pas un test comme ça ou une réintégration aussi sous les 45 000 à surveiller bien sûr pour le Bitcoin. Donc voilà, petit point marché pour finir cette séance. J'espère que ça vous a plu. On fait attention bien sûr sur le reste de la séance. On a des mouvements très directionnels maintenant, du coup à surveiller bien sûr du moment que ça reste dans votre méthode, dans votre stratégie également. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à regarder le contenu du coup de la chaîne YouTube, des articles correspondants à tout ce qui est élaboration de plans de trading, stratégie de trading, tout ce qui est backtest aussi, tout ce qui est théorie de dos, etc. pour vous constituer aussi une méthode, la tester et avancer dans votre trading également. Bruno qui nous est du coup semaine précédente. Voilà, c'est ce que je pensais. Top Bruno, merci. Nicolas qui nous est du coup TP du coup atteint. Bravo Nicolas, félicitations. Nguest qui nous dit aussi le nombre de points se lit du coup où s'il vous plaît. Alors, quand tu es en position, tu peux le lire directement depuis le mini terminal. Tu cliques ici, tu l'as en euros et tu l'as en points. Sinon, tu peux utiliser ici, tu vois, le croisement, hop, croisé du réticule, ça, ils appellent ça comme ça. Et du coup, ici, tu peux cliquer, maintenir la souris et voir, là, par exemple, c'est 3884. Attention, c'est pas 3884 points, c'est 38 points. Il faut savoir où placer la décimale, bien évidemment. Mais ça, on en reparle live si tu veux, il n'y a pas de souci. Christina qui me dit merci, Jérémy, pour votre live, toujours aussi instructif. Avec grand plaisir, Christina. Merci à toi pour tes messages aussi, vraiment top. Tu nous dis merci à vous tous pour vos partages et participations. Je vous dis à toutes et à tous à demain. Du coup, et pour moi, et j'espère du coup votre retour sur les graphes. Taf taf. Pour vous, retour sur les graphes. Taf taf. Oui, ça marche. Merci Christina. En tout cas, très très bonne journée à toi. Merci d'avoir été avec nous. On n'est pas loin du TP2 avec 121 likes déjà. Sébastien qui nous a passé une excellente journée à tous. Merci à toi aussi, Sébastien. Excellente journée. Je vais vous souhaiter à tous une super journée, un excellent trading. Et on se retrouve avec grand plaisir dès demain, 8h30, 10h. Je vous mettrai aussi le replay du webinaire d'hier prochainement en ligne. D'accord, merci de nous dire Nguest, je t'en prie avec plaisir Nguest. Donc très très bonne journée à tous, très très bon training. Attention, on commence à ranger du coup sur le DAX, ici sur l'équivalence 1 minute. Donc soyez vigilants ici et puis du coup voilà le reste du contexte qui va se développer au fur et à mesure également. Très bonne journée à tous, avec grand plaisir, je vous retrouve dès demain matin, 8h30, 10h.